Vous l'aurez compris, nous avons passé la frontière italienne pour nous rendre doucement mais sûrement jusqu'en Écosse, la destination de l'été. Mais avant, petit passage obligatoire par la ville des amoureux, Vérone. On vous amènera aussi en Suisse manger une fondue et en rando, puis en Belgique déguster une bonne bière et enfin aux Pays-Bas pour tester les spécialités locales, le fromage bien entendu, avant de prendre le ferry avec Edouard, notre camping-car. Cela va maintenant faire bientôt un an que nous sommes sur les routes et une chose est certaine, on n'a pas envie de s'arrêter là. Alors bienvenue dans cette saison 3 de l'Odyssée du Bonheur. Salut, les salut. Bonjour les mamas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? On mange une glace. On mange vite une glace parce qu'il fait très chaud. Et les glaces, ça vient d'où? Eh bien, ça vient d'Italie. Et qu'est-ce qu'on fait en Italie? Vous allez nous dire. On mange une glace. On mange une glace, voilà. Bienvenue à Vérone. Serein d'avoir laissé le camping-car sur une aire de service à 5 minutes à vélo des premières attractions touristiques de la ville, nous voilà pédalant sur une piste cyclable pour rejoindre les arènes. Ce qui fait deux belles surprises déjà en arrivant en ville, de quoi laisser le camping-car en sécurité et des pistes cyclables un peu partout pour se déplacer. La canicule étant de la partie, nous avons donc commencé notre visite par manger une glace. Menthe chocolat et je pense que je vais prendre bois yaourt. Non, c'est un repas, hein. Je prends le melon. Ok. Ciao. Alors, une angelata comme une stracciatella et. Alors, que s'est-il donc passé depuis que nous sommes revenus du Portugal? Eh bien, on a fait un petit stop en France pendant à peu près un mois pour réfléchir à la future destination et à ce qu'on allait faire pour la saison 3 du road trip. On devait d'abord partir en Ukraine et il s'est passé un petit chose avec un mec russe un peu vénère. Voilà, donc on a changé d'avis et finalement on va se diriger vers l'Écosse. Donc on est parti de Cannes, on a longé la côte italienne jusqu'à Gênes. On est remonté par le centre d'Italie et puis là on est arrivé donc du coup sur la Piazza Bra qui accueille donc l'arène de Vérone, la troisième plus vieille arène d'Italie. Alors, est-ce que Vérone, c'est la belle au Vérone, la ville où tout le monde se déteste? Alors, c'est plutôt la ville de l'amour, Vérone. Hein. Elle garde cette histoire d'amour de Roméo et Juliette que tout le monde connaît, ou presque. Mais aussi, elle... Mais c'est pas vrai. Mais elle nous plonge aussi dans l'histoire et dans l'authenticité. Point. Ok. Et donc l'histoire de Vérone est racontée notamment par les vestiges qui sont ici et qui sont plutôt bien entretenus et qui recèlent plus de 2000 ans d'histoire. Il y a même des trucs qui datent de l'époque préhistorique. Et préhistoire. Vous, et en Italie, le recel, les Italiens et les mafieux s'y connaissent bien. Donc les principales empreintes qu'on retrouve sur Vérone, ce sont des empreintes romaines, de l'époque romaine à l'époque de la Renaissance. D'accord. Donc on va essayer d'aller trouver, d'aller dénicher tout ce qu'il y a à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans Vérone, on verra pas tout. Mais on moi va je vais essayer de choper Juliette, elle va essayer de choper Roméo. Voilà. Ok, donc quand même un petit point géolocalisation de où se trouve Vérone. On est dans le nord de l'Italie, au pied des préalpes vénitiennes et autour du fleuve de l'Adige qui fait en fait tout le tour comme une boucle autour de Vérone. Alors bon, du coup, on va vous faire un petit mot sur ces fameuses arènes de Vérone, mais toi, est-ce que tu sais ce que c'est? Je suppose que c'est là où il y avait des choses. Bon, en effet, il y avait des choses. Je pense. Exactement. Donc en fait, les arènes, c'est un amphithéâtre romain qui date de l'an 30 après Jésus-Christ. Et en fait, il y a une partie qui a été détruite à cause d'un tremblement de terre, mais ça va, ça a été assez préservé. Et à l'époque, il pouvait accueillir jusqu'à 30 000 personnes. C'était pas mal à l'époque. C'était pas mal, ouais. Et en fait, l'utilisation à l'époque, donc chez les Romains, c'était surtout les combats de gladiateurs. Voilà, ensuite, il y avait en les mode, joutes. En mode avec les lions et tout, en mode vénère. Et les chevaux et les, tout ouais. Ça. Ouais, les lions, je sais pas, mais les chevaux, ouais. Si, il y en avait. Mais ouais. Il y a Xavius Romulus, mon ancêtre, qui m'a dit qu'il y avait des lions. Donc, Ok, très bien. Et puis ensuite, donc, les joutes. Et aujourd'hui, ouais. Donc, il sert d'accueil pour des concerts, des spectacles. D'ailleurs, ce soir, nous sommes là. Il va y avoir Zucchero. Mais nous, on n'aime pas le sucre, vous savez, on n'en mange pas. Ouais. Donc, on n'ira pas voir Zucchero. Mais attends, tu rigoles. Mais tu sais qu'aujourd'hui, eh bien, elle est considérée comme étant... Mais il rigole. Ça vous choque comment je parle? Pas juste. Bref, j'étais en train de vous dire que
Cet amphithéâtre est considéré, aujourd'hui, c'est le symbole de la ville de Vérone et est considéré comme un des plus grands opéras en plein air du monde. Et tac! Bon, clairement, quand on arrive sur cette place, les arènes, on voit que ça. Ouais. Et juste en face, on voit aussi tous les petits restaurants et tous les petits cafés. À 3,50€ le café. Non, clairement. Un café supérieur au prix de la Côte d'Azur, on s'y attendait pas. Non, c'est clair. Où sommes-nous ? Donc là, nous sommes arrivés au Castel Vecchio. En français, traduction littérale. Le vieux château. Le vieux château. Enfin, la porto, pour l'italienne. Magnifique. Il a été construit par un certain Bevilacqua. Et ce château est donc en fait une forteresse pour protéger des attaques, etc. Comme beaucoup de châteaux. Et beaucoup de forteresses. Voilà. Mais il a une particularité, c'est qu'il a un pont apparemment qui a été construit avec une ingéniosité absolument incroyable. Ah oui, ils avaient des ingénieurs de malade. Je vous jure, c'est super intéressant. Bon, en tout cas, on va aller le voir, il est canon. C'est parti. Donc ce pont, il a quand même une particularité, hein. C'est qu'il a été construit en 3 ans. Il a été construit pourquoi ? Pour échapper, pouvoir se barrer assez rapidement en traversant le fleuve. Voilà, pour rejoindre la campagne. La campagne, et l'Allemagne apparemment, puisque à l'époque, c'était pas loin. Et il a donc cette petite particularité d'avoir été longtemps des ponts en arc les plus hauts. C'est ça, de largeur 47 mètres et quelques. Voilà. Donc c'est un des records. C'est pas mal quand tu penses pour l'époque. Hein. Ouais. Ils avaient l'air de savoir mieux bâtir des trucs que maintenant. Exactement. Plus solide, parce que ça c'est toujours là. Hein. Exactement. Non mais... On se trouve sur la place Games Miss Game. La place de l'herbe. Ce que je viens de dire. Tu sais pourquoi elle s'appelle comme ça ? Parce qu'ils aiment bien un peu fumer de l'herbe. C'est parce qu'à l'époque, c'était un marché, il y avait beaucoup de légumes et beaucoup de fleurs. Voilà, du place de l'herbe. Quand tu fumes, tu deviens un légume, hein, excuse-moi. Bon, en tout cas, sur cette place, c'est la plus vieille place de Vérone et sur laquelle on trouve beaucoup de choses. En fait, il y a plein de monuments tout autour. C'est pour ça qu'elle est sympa, en fait, parce qu'on peut admirer plein de choses. Ce qu'on peut remarquer, c'est les balcons qui sont particulièrement particulièrement vieux. Alors, ils sont très très beaux. Alors ok, c'est bien, hein, la ville est protégée par différentes associations balcons, justement pour garder l'authenticité de la ville. Mais bon, des fois, t'as un peu l'impression que ça va te... tomber sur la gueule, hein, pour dire. Voilà. Parmi les particularités, il y a la tour des Lamberti qui fait partie en fait du palais della Ragione. Et donc cette tour médiévale, elle offre une vue vraiment sur toute la ville à 360 degrés. On n'a pas pu tester et elle fait une hauteur de 47 mètres et elle a plus de 368 marches, je crois encore. Ouais. Donc ça vaut le coup d'aller la voir, mais c'est bien de la regarder d'en bas aussi. Dans le marché, on retrouve beaucoup d'artisans locaux, n'est-ce pas ? Oui. Avec des produits locaux, des produits qui montrent le savoir-faire italien, n'est-ce pas ? Beaucoup de masques. De masques, des pâtes en forme de kiki, des trucs intellectuels. Voilà. Qui proviennent, à mon avis, que d'Italie. Je sais pas. Non. J'ai un petit doute. Je pas sais toi. Pas. Oh, quand même, hein, ils sont assez chauvins. Hein. Ah. Chose à voir encore sur cette place dell'Erbe, c'est la fontaine de la Madone. Et donc la fontaine de la Madone, c'est le plus vieux monument de cette place. Et elle détient un épigraphe. Alors, déjà, quand tu sais que la ville est vieille et qu'en plus dessus, il y a ça qui est vieux,
C'est très vieux. C'est très vieux. Voilà. Ouais. Vous savez ce que c'est un épigraphe? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. J'ai un épi sur la tête, mais un épigraphe, je sais pas. Nous avons aussi un lion qui est surmonté sur un pylône en marbre blanc, n'est-ce Alors, pas? Alors ça, c'est pas du tout un lion, ça c'est un lampadaire. Pardon, j'ai confondu avec le lion. Alors ce lion, c'est le lion de Saint-Marc, le symbole de la République de Venise. Oui, parce que là, on est en Vénétie, hein, enfin, vous ne l'auriez pas deviné. Non. Les Vénitiens, ils sont venus, ils ont colonisé tout, enfin, plein d'histoires. Même Napoléon, il est venu ici. Oh. Et derrière, oui, cette non. Cette place est surplombée par six guerres, six personnes. Des dieux. Des dieux. Genre, ouais, il y a des dieux. Qui se nomment De Minerve. C'est le mec, il avait deux coups, donc il s'était cassé. Et du coup, il y avait deux Minerve. Vénus. C'est ça. Hercule. Mercure. Mercure et... Et moi. Toi. Apollon. Apollon. C'est terminé pour cette première partie sur Vérone. La semaine prochaine, nous irons plus loin encore dans la découverte architecturale et gastronomique de la ville. Alors abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode.